hommes. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir ici. Pour pouvoir nous entretenir sur la vie remplie du Saint-Esprit. Nous devons savoir que la vie remplie du Saint-Esprit, c'est aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vu le Saint-Esprit avec nous. Maintenant, le Saint-Esprit sur nous. C'est pour les services. C'est pour nous équiper. Ils allaient pendant copier sa bisso bissale. Servir le Seigneur avec efficacité. Alors, les textes que nous avons choisis aujourd'hui, nous l'avons intitulé le texte se trouve dans Actes chapitre 3, le verset 19. Actes 3, 19. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit était considéré au jour de la Pentecôte comme le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Et nous voyons que le temps de rafraîchissement commence par la repentance. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les hommes qui ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit ont commencé à parler en d'autres langues. Les gens qui sont venus de tous les coins de Rome à cette époque-là, qui étaient venus à Jérusalem, ils les ont entendus parler dans leur dialecte. Et cela les a beaucoup étonnés. Beaucoup se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup ont également commencé à se moquer d'eux, en disant certainement ils sont ivres. L'apôtre Pierre, Thomas Petello, le Seigneur lui a donné de pouvoir ouvrir, de pouvoir communiquer, de pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Thomas Petello, et tout en leur donnant toutes ces explications. Que ces gens ne sont pas ivres, parce que nous sommes qu'à la troisième heure. C'est plutôt l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis par Joël, Joël, que vers le dernier jour il enverrait son esprit. Et avec beaucoup d'autres paroles, l'apôtre Pierre a cherché à les toucher et surtout à les convaincre. Donc, ils ont entendu toutes ces paroles. Ils étaient vivement touchés. Et ils ont posé à l'apôtre Paul la question. Homme frère, que devons-nous faire? C'est comme ça que l'apôtre Pierre l'a dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de ces temps de rafraîchissement. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, ce que nous recherchons, bien-aimés, c'est le rafraîchissement. Nous avons besoin d'être rafraîchis par le Saint-Esprit.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les temps de rafraîchissement sont des temps de renouvellement. Ce sont des temps où le Saint-Esprit vient communiquer la vie et les différentes grâces et dons aux disciples de Christ afin qu'ils puissent vivre et servir avec efficacité. Aucune vie, aucun service ne peut être digne et efficace sans le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, aucune vie, bien-aimé, aucun service ne peut être digne et efficace sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de ces temps ici. Nous avons commencé depuis avant-hier. Nous étions là hier. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Bien aimé, pour qu'il y ait rafraîchissement, il faut qu'il y ait une repentance sincère. Pour que le Saint-Esprit descende. Bien aimé, cela nécessite que les hommes et les femmes qui ont écouté l'Évangile puissent se repentir sincèrement. Dans Actes chapitre 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Pierre a dit, bon, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, pour qu'une personne se repente sincèrement, il y a donc une nécessité de la compréhension de la parole de Dieu. La foi qui sauve, ou qui attire le rafraîchissement, une foi intelligente, d'où la nécessité de comprendre la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, Paul dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que la parole de Dieu produise la vraie foi, il faut qu'elle soit comprise. Le Seigneur a donné un jour l'explication pour montrer qu'il est important de comprendre la parole de Dieu. En disant, la parole de Dieu est comme quelqu'un qui sort le matin et qui jette la semence. Il y a une partie qui va tomber sur la route. Les hommes vont piétiner. Les oiseaux du ciel vont prendre. Ils vont partir au point que l'état de cet endroit va rester comme il est. Et il explique cette parabole en disant ceci ressemble à quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu mais qui n'a pas compris. Il a donné d'autres terres et il a donné la quatrième terre. Il dit, dans cette quatrième terre, la semence tombe et elle donne beaucoup de fruits. Et dans son explication, il dit que la parole qui tombe sur la bonne terre ressemble à quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu mais qui a compris. Lorsque une personne a écouté et compris bien aimé, cela va produire quelque chose dans sa vie. La plupart des temps, la parole de Dieu n'est pas comprise. Les gens écoutent avec une oreille mais
cette même parole sort de l'autre côté. L'état de la personne est tel que comme si elle n'a jamais écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être comprise. La vraie repentance est un fruit produit par la tristesse que provoque la parole de Dieu. C'est lorsque la parole nous attriste, lorsque nous comprenons que le saint est mort à cause de moi. Mon sang toi coupe pas pour n'engai. Lui qui est né conçu sans péché. Il a botama à zanga li soumo par kola à zanga li soumo. À zoka esika n'engai. Il a souffert de ma souffrance. Il est mort de ma mort. À kufa de sika n'engai. Lorsque ces paroles nous attristent, oyo et yuki si botama na yo mawa. Et koti dika yo obongwama. Et dit Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que c'est moi. Je suis pécheur. C'est à cause de moi que tu t'es offert à la croix. Cette parole m'attriste. Je te demande pardon. Je vais m'identifier avec toi. Je vais mourir avec toi à la croix. Et en t'offrant totalement ma vie. Afin que toi et toi seuls, tu sois mon maître. Mon Seigneur. Mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. La repentance est un fruit produit par la tristesse que provoque la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, la Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salie dont on ne se répand jamais. Pambate mawa oyo ezali na mokano na Nzambe e botaka mbongwana ya ezaleli oyo ememaka na lobiko. Mpe bayoki la kayango motema pasite kasi mawa ya mokili ebotaka liwa. La vraie tristesse bien-aimée mawa oya solo provoque la repentance et memaka mbongwana une repentance sincère mbongwana ya solo. Souvent il y a trois obstacles mingi bibakeza kamisato trois obstacles qui empêchent la parole de d'être compris oyo epekisaka moto ko sosola maloba na Nzambe. Le premier obstacle bien-aimé bakala yambo c'est un cœur mal disposé eza motema oyo elengela mité. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour venir bakaka na lingoma pona ko ya kaka par pire forme aye kaka pona ko ya quand même nana kene kaka mais ne s'attend à rien kasi motema na kabiro pa na Nzambe te pona ko zelo ko pa na il ne se dispose pas. Je vais à l'église. Mais je vais rentrer avec quelque chose. Je ne vais pas rentrer tel que je suis allé. Je vais rentrer avec quelque chose. Mais quand le cœur n'est pas bien disposé, on ne peut même pas comprendre ce que l'on dit. Le deuxième obstacle, c'est la superficialité, bien-aimé. C'est le fait d'être superficiel. On n'est pas là, on est là comme si on n'est pas là. Oza lokola oza te. On a des idées ailleurs. Makanisi na weza musika wana oza ba na lingomba. On veut tout de suite la quitter cet endroit. Et matese la ndoki pona zo. Pourquoi on est là? Tu te pona ndi kutoyé. Tout ce qu'on fait est superficiel. Maso maziko sale meza ka ya. Il y a rien de profondeur. Il y a rien qui vient du fond du cœur. Et lokota motema manok ezalite. Lorsqu'une personne est dans cet état, moto ya boyé, il ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Le troisième obstacle, bien-aimé, c'est les soucis de la vie. C'est la recherche des plaisirs. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce qui leur fait bon à l'oreille. Ce qui leur fait plaisir. Bien-aimé, ils ont leurs soucis. Ils veulent que l'on puisse leur dire, tu seras la tête dans la queue. Tu seras le premier, mais ils ne savent pas que pour être le premier, il y a des conséquences. Il y a des efforts à faire, il faut une repentance sincère. Mais aussi, il faut croire au message. Il faut croire. Si le Seigneur dit, au travers de la bouche de l'apôtre Pierre, si vous vous repentez sincèrement, le temps de rafraîchissement viendra. Vous devez croire.
Vous devez croire à ces messages bien-aimés. Vous devez reconnaître votre état par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez confesser. Et vous devez renoncer. Se débarrasser de l'incrédulité, bien-aimé. Dans Proverbes chapitre 3, les versets 7 à 8, la Bible dit : ne sois point sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles la santé pour et un rafraîchissement pour tes os. Bien-aimés frères et sœurs, il faut le cœur de la repentance. Un cœur repentant est celui qui se livre réellement et totalement à Dieu afin qu'il les juge. Tu dois te livrer totalement au juge pour qu'il puisse te juger. Ouvrez votre cœur, bien-aimé. Un cœur repentant est celui qui décide volontairement de faire un demi-tour, d'aller dans cette direction. La parole de Dieu nous avertit et vous êtes votre face, vous changez de direction. Avoir un cœur repentant. Bien-aimé, un cœur repentant. Tu dois volontairement réorienter ta vie à son vrai but. Et le vrai but de Dieu, c'est la gloire de Dieu, les services pour Dieu. Un cœur repentant est celui qui cède totalement sa destinée à son Seigneur. Nous avons besoin de temps de rafraîchissement. Nous voulons que chacun de nous soit rafraîchi ce soir. Mais bien aimé, la deuxième chose, pour qu'il y ait rafraîchissement, il faut que la personne puisse avoir un désir. Et c'est ce qui est rafraîchissement. Le mot hébreu ne fait que désigne âme comme siège du désir. Il faut donc que le désir de toute ton âme, pour que la personne puisse, toute son âme puisse désirer d'être rafraîchi par le Seigneur. Pour avoir le rafraîchissement bien-aimé, il doit fortement le désirer. Il faut savoir que dans le cerveau de l'homme, il y a un centre névralgique qui permet d'éprouver des sensations agréables et désagréables. Et c'est par là qu'on sent les désirs, le besoin de la nourriture, le besoin du repos, le besoin de telle ou de telle chose, parmi lesquels oui, ça la qualité. Le désir de rafraîchissement. Ces besoins sont fondamentaux, bien-aimés. Si disparaissent, l'homme devient malade. Pour avoir le rafraîchissement, tu dois diriger tes désirs vers le Seigneur. Tu dois diriger tes désirs vers le Seigneur. De même que le proverbe exhorte l'homme à diriger ses désirs vers la sagesse. Proverbe 3, 15, Proverbe 8, 11.
C'est lui qui veut être rafraîchi. Doit diriger ses désirs. Dirige tes désirs vers celui qui est capable de rafraîchir. Pour avoir le rafraîchissement, tu dois languir. Ou désirer avec. Désirer en permanence. Ce n'est pas une petite soif, un petit désir, mais c'est quelque chose qui bouillonne de manière permanente dans le cœur. Dans Proverbes chapitre 15, verset 23, la Bible dit, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir, je vais trouver chez vous. L'apôtre Paul, Thomas Polo, exprimait un désir de voir les Romains. Et ce désir était tellement grand, même d'aller à Rome enchaîné. Attends qu'on accepte même qu'on puisse l'enchaîner comme esclave pour qu'il puisse arriver à Rome. Nous devons avoir un tel désir, bien aimé frère. Nous devons avoir un tel désir. Nous devons avoir un tel désir. Si tu veux le rafraîchissement, il faut languir. Nous devons avoir un tel désir. Il faut désirer d'une manière permanente. Désirer a aussi le sens de gémir. Il est qui s'y paye en fait, un mikima. En fait, vous gémissez. Seigneur. De gémir. De désirer. Poussa ma casse et comme il passe pas mal le même bima. Est-ce que vous comprenez? Poussa, il est qui tellement que parfois. Mon Dieu, Seigneur, remplis-moi. Amen. Rafraîchis-moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Le verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtis et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, 5, le verset 2 à 4. 5, 2 à 4. Ok. Pambate, lokola tozali na kati ya ndako wana ya kapo, tozali kolela na se ya mitema. Voyez, gémir. Kolela na se ya mitema. Pona mpusa monene oyo tozali na yango oyo ya kolata ndako na biso ya likolo mpo ete soki tolati bakokuta biso motakala te. Pambate, biso mpe ba oyo tozali na yino na kati ya ndako ya kapo, tozali kolela na se ya mitema mpe tomemi mokumba ya kilo. Et lingi koloba ete tolingi balongola biso yango kasi tolingi kolata et vendre na biso ya likolo mpo ete bomoi emela oyo ekufaka. Le vrai chrétien, mon Christ ya solo, tu vois ce qui se passe sur la terre, moni mazi kosale ma ana mokili makamunoso ya mabe, méchanceté makamunoso ya mabe, bien qu'une seule prière asambela koloba kolozonga, reviens kolozonga, viens nous délivrer, yaka kokangola biso longola biso ana mokili, longola biso na mokili oyo ese bebi, longola biso na mokili oyo epeba kolo yaka. Donc nous les chrétiens, biso ba Christo, nous désirons tous partir. Nous voulons quitter cette terre pour partir, bien aimé frère, et porter notre corps de gloire. C'est ce même désir que nous devons avoir, et que nous puissions recevoir les temps de rafraîchissement. Nous devons avoir un rafraîchissement. Si tu veux
être rafraîchi ce soir. Soko lingiete nzambe akomisoya sikana mpoka lelo. Tu dois gémir pour avoir le rafraîchissement. Tu dois être désiré. Et singeli olinga oluka et nzambe rafraîchir yo. Il faut que cela singeli et yango punja punja na motema na yo. Celui qui veut le rafraîchissement doit le désirer ardemment. Un peu comme l'apôtre Paul qui emploie. Thomas Polo. Il y a un mot là grec que l'apôtre Paul utilise. L'homéli likambo koloba. Omeiromai. Qui veut dire tout simplement désirer ardemment. Vous en a poussé ma casse. Pour exprimer son amour pour les Thessaloniciens. Il dit je désire ardemment. Cela doit être comme ça, bien aimé. Et Seigneur, il a la doit désirer ardemment. Il faut désirer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, l'apôtre Paul dit: nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers, c'est pourquoi si tu veux le rachetement, tu dois les rafraîchissement. Tu dois les désirer. Tu dois les vouloir. Tu dois les vouloir. On doit l'exprimer. On doit les démontrer. On doit les vouloir. Bien aimé frère. Le désir a aussi le sens d'aspirer. Pour avoir un vif désir. Comme celui que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Ces verbes viennent de Thumos. Et ce verbe est souvent traduit par un vif désir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17, Paul dit ceci. Pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardent le vif désir de vous voir. Est-ce que quelqu'un peut avoir ce désir comme ce désir qu'avait l'apôtre Paul ce soir? Quelqu'un peut avoir ce désir? À l'exemple du psalmiste bien-aimé dans psaume 119 verset 20, il dit mon âme est brisée par les désirs qui toujours la porte vers tes lois. Motema na ngai tout a makatango losu na posa makasi e ben na ngai pene pene maloba na yo. En d'autres termes, le psalmiste voulait dire voyez bien ngai koloba. Mon âme est tout embrasée de l'affection qu'elle a eue de tout temps pour ses commandements. Motema na ngai tondisami na bolingo makasi ezako neti ko zikisa mapona bolingo po na malako na yo po na maloba na yo. Bien aimé, ici le psalmiste en était venu au point de soupirer avec tout l'ardeur après l'intelligence de la parole de Dieu que son âme était comme prête à défaillir dès qu'il éprouvait la crainte de tomber dans l'ignorance ou dans l'erreur. Azaki da pousa makasi na motema na et ses désirs étaient constants dans son âme. Son affection pour la parole de Dieu ne se manifestait pas seulement de temps en temps, mais dans les moments où il était le mieux disposé. C'était une fin spirituelle. Nzala ya molimo azala kina yango. Une disposition habituelle. Motema na ye e bongisa maki pona yango. Sanctifié. E bulisa maki. Parce que pour l'âme comme pour le corps, bien aimé. Pona ndoto to pona elimo. La nourriture est indispensable. Bilei za na tina. À l'entretien du corps. Bote ndoto za la makasi pe malamu. Ce soir, bien aimé. Na poko alelo bolinga bi. Tu dois avoir cette et singili oza na posa oyo na na motema na yo te nzamba komiso ya sika. Cette faim. Oza na nzala oyo. Bien aimé. Posa oyo ya makasi. La faim spirituelle d'être rafraîchi. Nzala ya molimo eto komisa ma ya sika. Molimo na ya komiso ya sika.
Quand on veut avoir quelque chose, il faut avoir un vif désir. Dans Romains 1, le verset 15, Paul dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Avoir un vif désir. Cela est très important. Il y a une troisième chose. Pour qu'il y ait rafraîchissement bien aimé. Il faut le demander bien aimé. Dans Actes 1, 38 en 39, Pierre leur dit. Pierre a ébissi bango. Acte 3. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 38 à 39. Acte 2, 38 à 39. Pierre Azungisaki, Bobongo Lamitema. Mais mon corps, na mon corps, na katina bino, azuali batisi, na komo na Jésus Christo, mbwete ma sumo na bino, elimbi sama. Bongo nzambe, ako pesa bino molimo mo santo, pambate, elaka o ezalimpo na bino, mbo na bana na bino, pempo na bato nyoso, o eba vandaka na bikolo ya mosika, ba o nyoso nkolo nzambe na biso, ako benga. La troisième chose qu'il faut faire pour recevoir le rafraîchissement, c'est d'en demander au Seigneur Jésus. À quoi sert le rafraîchissement? À quoi sert le rafraîchissement? Le rafraîchissement bien sert à fertiliser nos vies et à fertiliser nos ministères. Dans Zacharie chapitre 10 verset 1, la Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Bosenga nzambe mbula. Akope sabino mbula ya yambo e betaka. Mpe akope sabilei na bilanga na bino moko na moko. Ako zwabilei na bilanga na ye. Quelqu'un peut poser la question aujourd'hui. Pourquoi demander? Le rafraîchissement auprès du Seigneur? Nous devons demander parce qu'il n'y a que lui seul qui peut le faire. Il n'y a que Christ seul qui peut nous donner ce rafraîchissement. Nous voyons dans Luc 3:16. Jean-Baptiste dire. Jean-Baptiste à l'obi. Moi je vous baptise d'eau. J'en ai baptisé dans ma main. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et du feu. Il n'y a que Christ seul. Si vous demandez le baptême dans le Saint-Esprit, à Jéhovah, il ne le fera pas. Si vous demandez à Jéhovah, il ne le fera pas. Si vous demandez à n'importe qui, il ne vous le fera pas. La seule personne qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ même. Il n'y a que lui. Il n'y a qu'à lui qu'il faut demander. Pourquoi demander? C'est parce que lui-même a promis de le faire. Dans Luc chapitre 11 verset 9, le Seigneur dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et dans Jean 15:7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Il a promis qu'il fera. Si nous demandons quelque chose, il le fera. Il faut le demander. Il faut demander le rafraîchissement du Seigneur. C'est parce que la promesse est aussi pour chacun de nous. Et pour chacun ici présent. Dans 38 et 39, comme nous avons lu, Pierre dit, répondez-vous. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, et aussi en grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les attirera. Il y a le rafraîchissement pour tout le monde. Rafraîchissement pour nous, ce n'est pas pour une catégorie de gens. Ce n'est pas pour eux. Ils apprennent à Bango, ce n'est pas pour les prophètes, ils apprennent à prophètes, ce n'est pas pour les pasteurs, ils apprennent à pasteurs, ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas pour les adoptés, ce n'est pas pour eux seulement, ils apprennent à Bango, mais pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on a Moko, la promesse est aussi pour vous. Bien aimés frères et sœurs, ils s'y visent tellement que vous les demandiez. Comment les demander? Alors il faut les demander avec foi. Il faut les demander avec foi. En Matthieu chapitre 21, verset 22, Bible tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi, il faut donc demander le rafraîchissement avec foi. Il faut le demander avec détermination. Il faut le demander avec détermination. Dans Actes 2:4, ils furent tous remplis dans le Saint-Esprit. Et se mirent parler en toutes les langues. Selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Ils furent tous. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune personne qui était restée sans expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. C'est question seulement de demander avec détermination. Puisque la promesse est aussi pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois il y a des gens qui somnolent. Ça n'entre même pas. Il y a des gens qui somnolent. Est-ce que Ozolanda? Cette promesse est aussi pour vous. Cette promesse est aussi pour toi. Est-ce que Ozolanda dit que c'est pour vous? Est aussi pour toi. Même les enfants sont baptisés dans le Saint-Esprit. Tous. On dit, ils furent tous remplis. Il n'y a pas une partie qui était remplie et les autres devaient attendre la deuxième session. Ils étaient tous. Comment est-ce qu'il faut demander? Il faut le demander avec confiance. Parce que le Seigneur dit, si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, si vous demandez, vous le recevrez. Le Seigneur veut votre rafraîchissement. Il veut que vous soyez rafraîchis. Il vous a conduit dans la répentance. Il vous a enseigné comment marcher par l'esprit. L'action, comment qu'on t'a dans mon livre. Que vous en expérimentez. Et comme elle a eu. Si vous avez déjà expérimenté, ce qui c'est comme elle a eu. Nous avons du besoin du Saint-Esprit. On a posé mon lieu, mon saint. À chaque instant, vous pouvez demander d'être rempli encore. D'être rafraîchi encore. Et là, je vais nous inviter à nous réunir. Pour que nous puissions demander. Pour que nous puissions démarrer, je vous invite à vous lever. Levons-nous s'il vous plaît. La promesse est pour qui? Et la quête pour la naine. C'est pas seulement pour eux. Kaka pour la bangote. C'est aussi pour toi. Et zappe pour na yo. C'est aussi pour toi. Et zappe pour na yo. Est-ce que tu as compris? Ososoli. Si tu t'es répandu sincèrement, si tu as le désir ardent pour recevoir, et si tu demandes au Seigneur, bien-aimé, en ayant la foi, en ayant la confiance, en ayant la sérénité, Le rafraîchissement. Nous avons besoin de ta grâce. Je n'en pousse. Tina moto na molimo.
Inda moto lisusu.